Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. C'est votre humble serviteur Irita et aujourd'hui je vous fais cette vidéo là parce que je pense qu'il est primordial de la faire. Voilà, il s'agit là de Jonathan Morrison. Vous savez très bien que depuis l'histoire, j'avais envie de faire des réactions, mais jusque-là, j'observais parce que j'aime pas parler comme ça dans le billard, sans preuve et tout ça. Et jusque-là, depuis quelques jours, nous avons tous constaté que notre Jonathan Morrison, notre chouchou national, est depuis un moment vraiment vraiment très silencieux. Voilà, et selon des sources sûres et la rumeur aussi qui court, il se pourrait que les nouvelles ne soient pas bonnes pour notre Jonathan Morrison. J'ose croire et j'ose espérer que ce soit des rumeurs et que ce soit pas vrai, mais franchement ça ne sent pas, ça ne sent vraiment 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 pas bon. Donc pour planter le décor, on va se pencher juste après le générique pour plus de détails. Voilà, c'est toujours votre même serviteur Irritor et aujourd'hui cette vidéo est autour d'une personnalité publique ivoirienne du nom de Jonathan Morrison, très célèbre à cause de sa compétition du CAM Tchétchène, qui est une compétition de Maracana Petit Poteau qui a eu vraiment un grand 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 succès depuis la première chose édition jusqu'à la seconde, où le lauréat en remportera près de 100 millions de francs CFA et le second je crois 50 millions. Et malheureusement, autour de cette compétition-là, il y a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup, 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 beaucoup de trucs, de revirements, de situations, beaucoup, beaucoup d'on-dit, beaucoup, beaucoup de situations vraiment pas intéressantes autour de la personnalité qui est Jonathan Morrison, comme quoi il devrait à beaucoup nombre de personnes. Voilà, il doit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Mais on va dire, qui a fait grand bruit concernant les crédits que notre Jonathan Morrison doit, c'est l'affaire des ex-présidents de club, on va dire refusés, rejetés par 13. Voilà. 13 qui est à la maison, on va dire l'entreprise du jeune Jonathan Morrison qui est en charge de l'organisation de toutes les activités de ce dernier-là, que ce soit 13 musique, 13 quoi encore, 13 events, 13 chinchions, je dirais. Voilà. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est que il y a eu des malentendus au début de cette histoire. Et malheureusement, ces présidents du club avaient déjà avancé leur caution pour cette manifestation-là, pour ne pas dire leur inscription, qui s'élevait à plus de 1,8 million francs CFA. Non, pas 1,8 million francs, c'est 1,8 million, je crois. Il y en a même qui ont payé 2 millions, il paraît. Et depuis lors, nous nous rappelons tous ici que le jeune Jonathan Morrison avait fait une vidéo pour nous dire ici que les présidents du club dont la candidature a été rejetée pourraient passer à son bureau, dans les bureaux de 13, pour avoir leur dû, c'est-à-dire le montant de leur inscription. Et jusque-là, jusqu'à présent, là, il n'en est rien, il n'en est rien. Et pendant la deuxième édition du CAM Tchétchène, il y a eu beaucoup, beaucoup de posts, beaucoup, beaucoup de publications, comme quoi Jonathan Morrison n'aurait pas encore remboursé les plus de 19 millions qu'il devait à ses présidents de club-là. Et franchement, ça m'a un peu fait tiquer. Voilà, parce que jusque-là, vous savez très bien combien de fois beaucoup d'Ivoiriens ont défendu ce jeune-là. Je ne discrédite pas ce jeune, mais jusque-là, je ne comprends pas. Jusque-là, pourquoi il n'a pas encore pu rembourser cette somme-là pour quand même quelqu'un qui promet 100 millions pour la deuxième édition du CAM Tchétchène et qui a été, on va dire, remporté par FC Beaunois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas quelqu'un qui serait normalement à 19 millions près, avec tous ses partenaires autour de l'événement et tout, et les places vendues pendant la compétition. Donc, je pense que ce serait pas un problème. Mais depuis un moment, on a constaté que Jonathan Morrison est devenu vraiment silencieux. On ne le voit plus sur ses réseaux sociaux, on ne le voit plus faire de posts, on ne l'entend plus parler. Et il se pourrait, je ne confirme pas, je dis bien, il se pourrait, je parle un français que je pense bien que beaucoup d'hommes comprennent, je n'affirme pas, je dis, il se pourrait que notre Jonathan Morrison serait mis sous mandat de dépôt. Je ne confirme pas. Et je fais cette vidéo d'abord pour faire une réaction, pour faire une analyse un peu profonde de la situation. Vous savez, jusque-là, je ne vous dirai pas que Jonathan Morrison a tort ou a raison de cette situation. Mais la seule chose qui m'a dérangé dans l'histoire, c'est un peu, on va dire, la grande suffisance dont a fait preuve notre Jonathan Morrison dans cette histoire-là. Parce que on voyait un jeune que tout un peu pas porté,
commencé à devenir un peu hautain, je dirais orgueilleux. Peut-être que je juge mal, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Parce que tu ne prendras pas des personnes à qui tu dois de l'argent qui se plaignent, qui ont d'abord passé par la voie normale, par les voies normales pour avoir le dû. Et comme ces personnes-là ne gagnent pas gain de cause jusque-là, se permettent de faire des postes pour dire que tu leur dois de l'argent. Et ils attendent juste remboursement. Tu t'es permis dans une vidéo de nous dire que tant que tu ne seras pas content, tu ne les rembourseras pas. Au nom de quoi? Comme si la loi n'existait pas. Donc j'ose croire que tu es cloîtré chez toi à la maison, tu es en train de réfléchir à comment payer les 100 millions de FC Beaunois et de tous les gagnants de cette compétition-là, en plus, et comment faire aussi pour rembourser les 19 millions, parce que pour ce qui nous revient, c'est pas intéressant. Et je ne souhaite vraiment pas que ce soit ça. Voilà, parce qu'à Abidjan ici, vous savez combien de fois, les rumeurs courent vraiment, vraiment très vite. Mais si ça verrait que ce soit la vérité, voilà, si ça verrait que ce soit la vérité, franchement, je pense bien que c'est toi seul qui aurais creusé ta tombe, parce que tu sais combien de fois le peuple ivoirien est autour de toi, t'a accompagné et continue de t'accompagner. Et même jusque-là, il y en a des personnes qui te soutiennent toujours et qui croient en toi, qui croient en tes projets. Mais jusque-là, tu dois. Et tu ne le dis pas, tu le reconnais. Mais au nom de... Ils t'ont diffamé, ils ont sali ton image, tu n'es pas encore en mesure de leur mousser cet argent-là. Voilà. Oh, je me rappelle bien, lorsque la situation est arrivée, il y a une vidéo que tu avais postée, que tout le monde a regardée, je crois à plus de 400 000 vues, où tu disais clairement que les présidents dont la candidature a été rejetés, peuvent passer à nos bureaux pour recevoir leur argent. Nous, on se disait que le problème était réglé. Donc, je pense pour ma part que c'est encore plus étonnant que jusque-là, où je suis en train de faire cette vidéo-là, ces présidents ne sont pas encore réglés. Là, il y a problème. Il y a problème. Parce que ce que tu ne sais pas, Jonathan Morrison et à toute son équipe, c'est que autant beaucoup de personnes croient en toi, autant tu as eu des attitudes, tu as eu des propos, tu as eu des démarches, des façons de faire qui ont créé le doute autour de ta personne. Parce qu'il y a d'autres là qui jurent bec et ongles que tu es un marmailleur. Bon, la première édition du Camp Tchétchène s'est bien passée, tu as payé tout ce que tu devais. Mais jusque-là, on nous dit qu'il y a des prestataires jusque-là que tu n'as pas encore réglé. Si ça reste des rumeurs, Dieu merci. Mais si ce n'est pas des rumeurs, là encore, c'est un problème. Ça nous amène à nous interroger sur la crédibilité de la personne. Voilà. Donc, j'ose croire jusque-là que tu n'es pas sous mandat de dépôt. J'ose croire que tu es chez toi à la maison. Tu es en train de trouver la formule pour régler toutes tes dettes. Mais franchement, clair est de dire que si tout cela t'arrive, c'est parce que tu es un peu sorti de ta bulle. Voilà, c'est comme si tu étais dans la main des Ivoiriens. On a voulu te couvrir, te soutenir, te porter. Et comme tu es trop plein de confiance et tu sais que tu as beaucoup d'adeptes, tu te permets de t'adresser à des personnes à qui tu dois comme si tu ne les devais pas. Franchement, là, ça a été un peu trop fort. Donc, chers abonnés, c'est la rumeur qui court. Espérons que ce ne soit pas la vérité et que notre Jonathan Morrison puisse régler ses problèmes et nous programmer une troisième édition du Camp Tchétchène. Peut-être cette fois, il promettra peut-être 150 ou 200 millions pour le vainqueur du Camp Tchétchène. Voilà, c'est un très bon projet. C'est un très bon projet. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à soutenir ce jeune-là et à surtout lui donner des conseils, à lui dire aussi la vérité. Il faut redescendre sur terre. Voilà, je ne connais pas tes connexions, je ne connais pas tes relations. Mais si tu es dans un pays de droit, si tu estimes être dans un pays de droit, il faut quand même raison garder dans toutes tes sorties et dans tout ce que tu dis sur la toile. Voilà, surtout quand il s'agit d'argent. Parce qu'en matière d'argent, même si la justice ne peut pas régler, ça peut se régler d'une autre manière. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Merci.